Mesdames et Messieurs, nous sommes de retour après cette courte page de publicité. Ce débat reprend tout de suite. C'est à vous, monsieur. C'est à vous. Ah, on est en direct. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, pour faire de la politique, il faut être nuancé. L'immigration, c'est mal. C'était pas du tout le débat, monsieur. On parlait de la retraite. Permettez-moi de reprendre la parole. Donc, pour la réforme des retraites, j'ai plusieurs idées, dont la retraite à 50 ans. À 50 ans? Vous êtes conscient que c'est pas possible. Est-ce que vous connaissez le milieu du travail? Évidemment, monsieur. J'ai fait des vendanges en 75. J'ai cueilli du raisin. Des vendanges. Monsieur, nous allons reprendre le débat. Parlons de la santé, s'il vous plaît. La santé, évidemment. Donc, la santé est un état de bien-être physique, mental. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est une recette de couscous accompagnée de mes deux personnalités politiques préférées. Je les accueille tout de suite. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous, messieurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va, merci. Très bien. Aujourd'hui, c'est couscous, messieurs. Ah, j'espère au moins que c'est des produits français. Bien sûr. Vous auriez préféré une salade de lard? Ou même un bœuf bourguignon? Je ne suis pas accompagné des couteaux les plus aiguisés. Allez, toi, mon pote, je vais te monter en neige, hein. Calme-toi, direct. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Attends, t'es qui, toi, pour me demander du respect? Et c'est la fin, enfin! Après ces 153... Ah, enfin! Toi, t'es les fins, je te retourne pas! Ah, c'est la chute! Ah, putain, mais encore une, mais c'est pas possible, ça! Ouais, vous savez, on a passé d'argent pour les figurants et puis. Si la côté de ça à 50 ans, faut cotiser vite. Bon, la course s'est bien passée. Une course facile. J'ai réussi à faire chuter mon adversaire, un petit peu humiliant, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que les températures sont basses également. Les terrains ne sont pas chauffés, on n'est pas au Qatar. Ah, là pour une fois, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non? Non, mais le mec, il fait de la politique et il a pas de programme. Non, mais allons, quoi. Flash info. On m'informe tout de suite qu'une altercation aurait eu lieu entre les deux personnalités publiques lors d'une émission de cuisine. On m'informe qu'il... c'est encore là. Non, c'est ça, sans moi, sans moi. Bonsoir. Pour le débat de ce matin, alors vous en avez pensé quoi, monsieur? Pour la retraite. Parce que vous avez éteint votre télé, en fait. Monsieur. Monsieur, pour la retraite, monsieur. Monsieur, pour la retraite à 50 ans, vous pensez que c'est possible, vous? 50 ans, la retraite, on est d'accord, c'est pas possible. Non, si, si, 50 si, ans, monsieur? Monsieur, j'ai fait les vendanges. Même les vendanges. Je suis désolé, monsieur, c'est pas possible.